Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais partir demain pour un nouveau voyage à Madagascar. Donc là, on est le 2 juin, demain c'est le 3 juin. Donc 3 juin 2023, donc je pars pour un nouveau voyage de 3 semaines à Madagascar. Donc je vais prendre le vol à Madagascar demain à 15h50, je crois, à Roissy Charles de Gaulle. J'atterris à 4h du matin à Antananarivo, à Ivato. À l'aéroport d'Ivato, et je reprends un vol à 5h30, donc j'ai juste 1h30 pour prendre l'autre vol pour aller à Tulia. À Tulia, je vais y rester 2 jours, et après, je vais aller 5 jours environ à Morondava. Voilà, passer 5 jours à Morondava, découvrir cette ville que je connais pas. Voilà. Donc je vais y aller avec ma mère et mon beau-père. Alors mon beau-père connaît bien Morondava, mais ma mère ne connaît pas du tout Morondava, donc ce sera aussi l'occasion pour elle de découvrir cette ville. Donc Morondava, c'est situé un peu au-dessus de Tuliar, sur la côte ouest de Madagascar. Voilà, donc mes valises sont prêtes. C'est parti pour un nouveau voyage à partir de demain. Hello, donc là je suis à la gare de Poitiers, j'attends mon train. Donc je vais juste vous expliquer un truc avant de partir. C'est que là on est en juin, donc ici ça, on se rapproche de l'été, fin du printemps, il fait plutôt chaud. Donc moi je vais à Madagascar, c'est dans l'hémisphère sud, et du coup ce sera plutôt l'hiver et plutôt frais, notamment sur les hauts plateaux. Alors les hauts plateaux, bah, c'est tout le centre du pays, où il fait plutôt frais. Je crois que dans les températures actuellement, on doit être aux alentours de 10 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi, ce qui est assez frais. Pour là-bas, ça peut être même mettre moins en termes de température. Sur les côtes, le soir c'est frais, sans être froid. Et la journée, ça reste chaud, mais moins chaud qu'en décembre quand j'étais venu par exemple. Donc voilà. Voilà. Et je voulais passer, faire un petit coup de publicité pour un ami qui est ingénieur, qui a lancé sa société. Il propose ses services pour vous construire des sites internet qui correspondent à 100% à vos besoins. Il est très doué, enfin, voilà, c'est son domaine, et il est très doué, il sait faire ça très très bien. Il est très pro, très voilà, tout ce qu'il faut. Donc si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas à aller visiter son site internet qui est kizix.fr, Kaizix, il me semble. De toute façon, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà, si vous avez besoin d'un site internet pour vos projets, pour vos entreprises, n'hésitez pas à aller le voir, enfin aller voir le site internet, voir ce qu'il propose. Et voilà. Mais vraiment, je recommande vivement. Bon. Moi, j'attends mon train. Je suis arrivé un peu en avance, mais mieux vaut être en avance qu'en retard. Et je suis prêt pour partir à nouveau. Attendez l'arrêt complet à vos demandes. Ladies and gentlemen, platform 3, please be careful. Prochain arrêt, parking PX. Assurez-vous de ne pas oublier vos papiers. Bon, je suis en train de faire la queue pour l'enregistrement. Donc l'enregistrement va bientôt commencer. Et on décolle à peu près dans 4 heures. Voilà. Toi, ma lune, 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 to
Du coup, je suis arrivé hier, j'ai pas pu faire de vidéo hier, j'étais trop fatigué, je le suis encore pas mal. J'ai besoin d'un peu de repos, donc là je suis à l'hôtel chez Alain. C'est un hôtel avec des bungalows, sympa. Les chambres m'ont coûté 21 euros par nuit. Et voilà, voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, bon, j'ai mes affaires qui traînent. Voilà. Donc là, je reste pour deux nuits. Demain matin, je pars à 4 heures à Morundav. Dormir 5 heures à peu près et c'est parti pour mon Honda. Je crois que j'entends la voiture. Allez, c'est parti. T'es prête? Avec une machine africaine. Le petit déjeuner avant de partir, c'est du var chouchou, ça s'appelle, c'est du var avec beaucoup d'eau. Et le café pour ceux qui boivent du café. Voilà, on fait une petite pause et on repart. Bon, on est bloqué, la route est coupée, il y a des travaux devant.
et il n'y a pas de déviation. Je sais pas jusqu'à quelle heure on est bloqué. Du coup, finalement, on prend une déviation. Oui, la latouille. La latouille. Là, on est pas dans l'île de la rivière. Là c'est bon, on a passé par un chemin de sable comme vous avez pu le voir et on peut repartir. Après je pense ça nous a retardé de 1h30, 2h. Mais du coup on va bien pouvoir réussir à aller à Murundav ce soir. Voilà, c'est l'aventure malgache. Là-bas, il y a plein de bawa, c'est magnifique. Là. Déjà, ah. 7h arrive là-bas. Oui, bah 2h environ. Déjà. Non, le parking, le mandine est fait là. Le parking, où est-ce que c'est? Donc là, on attend le bleu-bac, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est là. On va traverser le fleuve avec un bac. Donc, je vous montrerai comment ça se passe. Et là, le bac, il est là-bas. Et je ne sais pas si on le voit sur la photo, sur la vidéo, mais il est coincé en gros et c'est un peu embourbé parce qu'il y a trois véhicules. Nous, on ne devrait pas avoir ce problème-là parce qu'on sera moins lourd, parce qu'on est pour l'instant qu'un véhicule. Donc voilà, on attend tranquillement. Le bac est en train d'être débloqué. J'avance doucement là. Petit bazar. Anche, io penso. Anche,
Et voilà. Pause déjeuner. Traversée d'un fleuve de nuit, c'est vraiment l'aventure. Donc voilà, je suis arrivé à l'hôtel. On a fait 18 heures de trajet hier. C'est assez éprouvant, assez éprouvant. Je pense qu'on aurait pu réduire le trajet de 4 heures si on n'avait pas eu les retards, enfin les travaux, et si on n'avait pas eu le retard sur le passage sur la rivière avec le bac. Mais voilà, on est bien arrivé à 22h hier soir à peu près. C'était assez éprouvant, assez fatigant, surtout pour le conducteur. Mais voilà, on est arrivé à Morondav et je vous montrerai ce qu'on peut y faire dans la prochaine vidéo. Voilà, mais juste avant, je vais quand même vous montrer la vue de ma chambre d'hôtel. Voilà ce que je vois de ma chambre d'hôtel. Tac. Et je vous montrerai, j'ai un petit balcon. Et la piscine en bas. Alors, pour terminer cette vidéo, je voulais parler de Madao. C'est un traiteur qui a été fondé par ma cousine et son mari. Ils font ça depuis plusieurs années. Ils sont implantés dans l'Oise. Ils proposent plusieurs choses. Ils proposent des piments très savoureux. Ils proposent aussi des services traiteurs pour tout ce qui est plat malgache. Et ils proposent aussi des plateaux repas de produits malgaches. Donc je vous conseille vraiment d'aller visiter le site, voir ce qu'ils proposent. Et vraiment, en termes de traiteurs malgaches, on est sur des très bons produits et des très belles prestations. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Et par exemple, il y a plusieurs types de plateaux avec des beignets de cresson, des samoussas, des boulettes de bœuf. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça.